Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Bon, je suis un peu perturbé pour faire mon vlog. Parce qu'en fait, j'ai déjà déposé la cliente. Parce que de chez moi, là, chez la cliente, il y en avait pour 2 minutes. Donc voilà. Donc là, je viens de la déposer. Et puis, vu qu'il y en a au moins pour 1h30 son rendez-vous. Et je vais aller voir. Je vais aller boire un petit café chez ma petite belle-maman. Donc voilà. Que j'ai pas attendu 1h30 sur place. Depuis qu'il n'y a pas de place pour se garer. Donc, et je savais pas qu'il y avait autant de services dans cette structure-là. Attendez, sur sa gauche, ça y est. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, vierge pour ce matin. Cet après-midi, mon petit Jean-Pierre pour ses rendez-vous. Alors normalement ce soir, il y a une autre cliente, enfin une cliente pour Vierzon aussi, mais j'ai pas d'infos, j'ai rien. Donc je laisse couler. On va voir ça. Puis ensuite, le reste de la semaine, tour. Donc demain tour, mercredi tour, jeudi tour, vendredi tour. Donc voilà, personne en face. Aussi évidemment. Oui, fais pas de malin toi. Tu roules au milieu avec sa remorque. Guignol. Puisque j'avais le ton. Je l'ai même pas gêné, donc. Bref. Et suite, collaborateur, aujourd'hui absent. Demain sur place, mercredi sur place, jeudi sur place, vendredi sur place. Donc voilà. Là par contre j'ai pas le temps. J'ai chiant les freins. Merci. T'as dit merci. Donc voilà pour cette semaine. Bon dans l'ensemble ça sera quand même une canne parce que quasiment pas de gamin, il n'y a pas de kiné pour la cliente. Kenny il est absent donc ça fait déjà 3 fois au moins. Il n'y a pas les gamins, il n'y a déjà pas une cliente, il n'y a pas le deuxième client. Il y a au moins 3 ou 4 clients au moins cette semaine. Ouais, ça va être calme dans l'ensemble. Bon j'ai quand même récupéré un allée de Galis demain. Ouais cette semaine tu vas pas être. Ça ne va pas être top top. Puis là, là il est 10h30. Pas de SMS des collègues. Ça va être très calme. Donc voilà. Oh, les bras. C'est chiant. Donc ça. Bon là la cliente. Moi je rentre pas trop dans les détails mais c'est quelqu'un qui a perdu la vue d'un œil et à cause de ça là où la personne travaillait ils l'ont mis, je vais pas dire qu'ils l'ont mis dehors mais voilà quoi, pas de poste adapté pour elle donc licenciement je sais pas quoi, et elle ne peut plus conduire comme avant, enfin plein de trucs qui... et du coup ça l'a un petit peu monté à la tête. Dépression et tout. Donc voilà. Donc, on l'amène toutes les semaines du coup maintenant. Car avant c'était une fois, une à deux fois par mois, puis là maintenant c'est tous les lundis. Donc voilà. Les aléas de la vie, mais là ouais, perdre la vue comme du jour au lendemain. Se réveiller un matin et pas voir d'un œil. Ça doit faire bizarre quand même. Hein. C'est comme ça. Donc voilà. Bon,
Il faut que je fasse gaffe, il y a un radar là aussi. Bah lui il a passé au rouge lui. Ah ouais, non mais il passe au rouge pour tourner sur sa droite. Oui, non mais... Je sais pas, t'as un feu mon gars, même si tu tournes là à droite. Pas mal le routier. Là on peut pas dire que le feu est passé au rouge. Le feu était rouge. Et les gars ils passent. Tourne. Toi je te sens bien toi. Le radar qui est bien caché là. Donc voilà pour cette semaine. Bon, aujourd'hui ça va être tranquille. Bon en fait aujourd'hui ça sera plus d'attendre qu'autre chose. Comme mon sportif de cet après-midi. Bah, on a pour 3 heures son rendez-vous là. Non, pas 3 heures. Il est 14h à 16h30. Puis revenir pour repartir, ça me dit rien. On va voir s'il y a des collègues qui ont besoin sur place. Je pourrais dépanner. Bon, c'est comme ça. Allez, je vais aller boire un petit café. Bon, bah voilà. Le trou. Petit café, c'est fait. Plus tard, retourner voir si la clientèle est prête ou pas. On avait dit plus vers midi, mais bon, au cas où. Pas trop la faire attendre quand même, si elle sort un peu plus tôt. C'est netto, c'est netto. Donc voilà. Il y a un champ de photos, des panneaux photovoltaïques. C'est la mode ça. Bon, faut que je rappelle des clients, qu'il y a une cliente qui va essayer de m'appeler pour jeudi pour un train à 6h à Bourges. Non, je sais pas si c'est 6h du matin, il n'y a pas de train à 6h à Bourges. 18h, oui, peut-être, mais à 6h. Moi qu'elle a dit 6h parce que je crois que le train de Paris le matin il doit être à 6h10 ou 6h20 je crois. Je vais la rappeler tout à l'heure. C'est les clients de ma commune donc pas louper quand même. Donc ça et puis voilà quoi. Pas la route pour le café, mais j'ai arrêté pour mettre un peu de gasoil. Pour être un peu tranquille. Personne à la station 1,609€. Mais pourquoi le camion est sur la voie de go? Vous pouvez m'expliquer là? Ah, c'est qui tombe là? Dom, voyons. 1,609€, j'ai mis à peine 43 litres. C'est vraiment pour faire un complément. Et j'en ai pour 68€. Pas spécialement motivé quand même aujourd'hui. j'ai déréglé mon intro. Ouais, lui il s'est mis sur la voie de gauche pour. T'as fait de la merde, mon gars. Bref. Allez, je vais aller chercher la cliente. Allez, c'est parti. Bon, t'as pas fait de séquence une fois que j'ai déposé la cliente. Je suis tout à côté. Là, je vais faire une petite séquence vite fait avant de prendre mon client. Donc voilà. Bon, j'ai toujours pas de nouvelles pour savoir pour ce soir. Bah, pour que je ne filmerai pas tard. Et la dernière course c'est à 17h pour une consultation à Biarron. Pas d'info. Donc voilà. Ça va.
fait super beau aujourd'hui, un joli ciel bleu, 22, ça fait du bien, peut-être pas pour longtemps, mais ça fait du bien. Dans la rue de derrière, mon portail il est fermé. Oh, bon signe ça. J'espère qu'il va bien ce truc là. Ah non, c'est ouvert. Allez, parti. Bon, mon sportif Jean-Pierre amené. Moi, j'ai pas fait de séquence pendant l'attente. Je suis juste allé laver un bon coup la voiture au Karcher. Parce que ces derniers temps, je faisais que le rouleau, mais au rouleau, c'est pas. Voilà. Dans les coins et tout, il y a toujours un peu de crosse quand même. Donc là, j'ai pris mon temps à le laver au rouleau. Donc voilà. Puis regarder un peu les travaux, les rues, pourquoi ils ont fermé, comme je l'expliquais la semaine dernière, pourquoi la nuit a été fermée. Dans un sens, mais ouais, j'ai compris pourquoi. Bon, c'est pour fluidifier la circulation, mais bon, ils ont fait ça dans un sens, mais dans l'autre sens, c'est pas mieux. Enfin, bref, en fait, c'est tous ceux qui sont contournés à cause du pont par derrière la gare. Quand ils arrivent au pont, bah, en fait, ils ont coupé le feu, il n'y a plus de feu, donc du coup, les gens ils passent direct. Bon, c'est pour ça qu'ils ont coupé la nuit. Enfin, bref, je vous explique ça comme ça, mais bon. Donc voilà. Donc le temps d'aller laver la voiture, revenir. J'ai failli faire une petite assistance, mais c'était trop juste. Prévenu à 16h moins 10 pour pas une assistance, on a le temps de traverser Bourges et tout. Mais sinon j'aurais pas le temps d'être à 16h30 pour mon client quoi. C'est pas possible. Hein. Bon, ça aurait été une petite assistance dans Bourges. Hein. J'aurais pas aller chercher main loin. Passage à niveau. Donc voilà. On passe. Puis du coup, bon, je suis resté à temps, tranquille. Pas la peine de faire des kilomètres pour rien. Donc voilà pour aujourd'hui. Et du coup, bah là, normalement j'avais un autre client à faire pour Vierzon, mais n'ayant pas d'infos, bah. Donc bravo le professionnel d'inanisme. Voilà, voilà. Bref. Ça, et puis. Puis voilà quoi. Hop là, je me suis mis en point mort. On va éviter de casser l'auto quand même. Il y en a encore besoin. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai vu le nouveau 5008. Il me château celui-là. Il a tout changé. On verra ça. Allez, j'arrive chez moi. On verra ça demain. Au revoir. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, comme vous avez pu voir la journée de mardi. Bah, en fait, il n'y avait pas l'orthoptiste. Bah, l'ortho, c'était prévu, mais il devait y avoir au moins l'orthoptiste. Mais comme j'ai déjà expliqué la semaine dernière, bah, la deuxième, elle gère pas trop le planning de la première, en fait. Ça va commencer entre les deux là. Bref, donc, du coup, bah, j'étais à la maison hier tranquille avec mes filles. Donc voilà. Mais voilà, la journée a été longue quand même. Je suis pas pour faire grand chose. Je suis pas trop du genre à être à la maison. Enfin, bref, comme ça, pas de choix. Donc voilà, donc aujourd'hui, orthophonie, psychomotricité, donc voilà, et j'ai les pieds qui me grattent là, et pour mon collaborateur ça va être calme aujourd'hui, là cette semaine c'est très calme, puis j'avoue que même entre les collègues, hein, je reçois juste un SMS d'une collègue puisqu'elle savait que ça allait être très calme pour moi, donc
je pense qu'elle devait me demander à moi en priorité, mais voilà, ça doit être canne de son côté aussi, parce que je sais pas, c'est pas un reproche, hein, mais c'était toujours une ou deux courses, alors qu'à l'habitude elle en propose au moins une dizaine par jour. Là, c'était une ou deux courses. Pourquoi tu te mets en plein travail, toi, imbécile. Les scooters qui roulent pas vite mais qui se mettent en plein milieu. Encore un bon. Ouais, donc ouais, c'est très très calme pour tout le monde cette semaine. Mais ce sera encore pire pour la semaine d'après. En général, les premières semaines, les CMP sont ouverts, puis la deuxième toujours fermée. Ouais, attention, cette semaine, j'ai aucun calme. Ouais, mais si tu pouvais éviter de rouler au milieu. Ah putain, le piton à droite. Putain. Et là par contre là il te met à droite là. Espèce de pin. Oui, bah oui, comme je suis décalé avec le mardi. Normalement, Nassim c'était aujourd'hui. Charlie c'était aujourd'hui. Il n'y a pas. Pas Pedro. Donc voilà. Normalement, il y a Maloué pour l'ortho. Donc voilà. Bon, lundi soir, je suis pas content parce que je suis pas. Alors, c'est ça qui me paraît bizarre. C'est que Fred il avait une course, enfin Fred a récupéré une course en attente d'infos pour une consultation à Vierron. Bah, pas plus de nouvelles, je sais pas. Je sais pas d'où ça sort, mais voilà. Donc si je me doute que ça devait être redonné à quelqu'un d'autre. Alors c'est con, malheureusement maintenant j'ai plus confiance. Donc moi dès l'instant c'est comme ça, il n'y a plus de confiance, bah, voilà quoi. On devient parano. Donc ça, et puis. Puis voilà quoi. Mais plus frais ce matin, 5. Et donc voilà. Puis ouais, de toute façon, le reste de la semaine, j'ai rien à gérer de toute façon. On va prendre ce qu'il y a. Allez. Go to tours. Mais faut être à moitié le coup. Je savais peut-être ce qu'il faisait, mais moi je sais pas trop ce qu'il faisait, moi personnellement. Bah non. Le gars, comme s'il pouvait pas attendre 10 secondes alors qu'il y avait personne derrière. Bah c'est ça. On peut pas attendre 10 secondes, non. Le mec qui passe, tu sais pas ce qu'il va faire en fait et.
veut dire aussi que mardi prochain, on pourra pas aller au bowling non plus. Mais c'est les vacances de toute façon. Non, il y, y a eu un mail comme quoi ils ouvraient pour nous de 11h à 14h. Ah merde. Eh ben si, on pourra. Bah non. Bah si. Bah non. Midi, rendez-vous 11h45 jusqu'à midi 15. Ah oui, c'est vrai, putain, demi. J'avais oublié. Oh là là. Oh, on fait chier. Heureusement que tu regardes les mails. Hein. Par contre, quand on a une compète, il n'y a pas de mail. C'est ça. Ouais, mais avoue que là, la compète de dimanche. Hein. Bah, je l'aurais su avant, je l'aurais fait. Hein. Ah ouais? Bah oui. En même temps, ils nous préviennent. Je sais plus, t'as prévenu quand? Bah, la semaine, quoi. Ah voilà. Tiens, bien fait. Bien fait. Oh la pauvre. Bien fait. Et lui devant, il s'est dépêché de passer devant tout le monde. S'est arrêté, il a encore ses warnings. Qu'à mon avis, il a dû déjà louper le train à la station d'avant. Maintenant il fait une fichier là, tu vois, bon, c'est pour ça, c'est bien fait. Il n'y en a pas un en face qui dirait là, il y a une voiture qui va tourner, ça va. Non. Ah bah tu peux faire coucou à ta petite chérie, hein. L'air tranquille, pareil, c'est pas mal. Oui. Après... Il y a une youtubeuse de toi qui va souvent. Ouais. Boutiques, 12 restaurants quand même. Ah quand même. Que je fasse pas la même boulette que l'autre jour. Donc on a le temps. Tant qu'on n'est pas arrivé. Enfin bon. Par contre, là, je vais mettre là quand même pour aller en face. J'ai envie de. Quoi? Qui? Mais si c'est devoir, regarde. Non, mais c'était le rond-point d'après. Fais attention à ta roue. Thank you.
Ça, regarde, tout droit ou à droite. J'étais bien placé. Donc c'est bien deux voies. Non, bah c'est pas une question de deux voies, c'est que c'est mal foutu. Mmh. Regarde, t'as les flèches au sol, comme quoi tu peux aller à droite ou tout droit. Mmh. J'étais bien placé sans le voir. Bonsoir, qui attend? Quand il sera marrant. Genre c'est toi qui as un trop gros cul, hein. Ouais, je suis là, je sais ce qu'il est là. Je peux pas les encadrer ces mecs là, enfin les trottinettes, les cyclistes là, je peux plus. Tu m'étonnes. Je peux plus. Même les piétons, je peux plus. Ah, c'est vrai que c'est bouchette partout ici. Ouais. Toi, j'aimerais pas être les personnes qui habitent là. Hein. Ouais. Oh putain, comment ils claquent la porte. Ah, y'a pas mon cochon. Y'a un bonhomme. J'espère que tu claques pas le cul de ta femme comme ça parce que. Non. Oh putain, et j'ai cru que c'était un gosse. Non, c'est un vieux. T'es pas net, toi. Le guidon. Je serais mort d'un qui se casse la gueule tout le temps. Sans qu'il me touche, bien sûr, mais. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Voilà, ouais. Ça m'énerve d'être sourde comme un pot là. Tu vas chier dans ton falzard. Et demain, Sistine, elle vient que pour nous. Hein. Oh ouais, elle m'a dit ah, bah, c'est gentil d'avoir décalé le rendez-vous parce que j'ai eu plein d'annulations. Après vous, j'ai personne. Mais sinon, après, on se voit pendant 3 heures. Hein. T'as craqué ou quoi? On va faire quoi pendant 3 heures? T'as lâché une caisse là? Si, t'as lâché un avant silencieux. Non. Oh la rafale! Ah putain! Ouvre ta fenêtre, fais quelque chose! Et un peu de respect quand même. Un peu de respect pour quoi? Pour toi qui pue? Je sais pas pour vous. Si, t'as lâché une rafale. C'est pas très gentil ça. Je me suis dit, tu t'es levé, il n'y a pas eu de bruit, ça a pas, c'est pas sorti, mais si. T'imagines, là, il va tout droit. Oh, il est mal placé, hein. Oh. Oh là, il a les pieds bizarres. Oui. Ah, t'es content, il y a deux cyclistes. Ah bah ça va, tu tournes. Interdit sauf vélo. Bah, la dernière fois on avait le droit. Tu vois, je t'avais dit que t'avais pas le droit. Tu m'as dit mais si, j'ai vérifié.
Bah, sur le truc, bah là c'est nouveau. Hein. Ça se trouve, ça y est peut-être la semaine dernière, je ne doute pas. Mais le duo, j'avais regardé plusieurs fois justement pour. Bah alors, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça la dernière fois. Oh putain, mais ça veut dire quoi? Faut que je fasse le tour encore là? Eh, c'est sérieux, ce quartier commence à me pomper l'air. Bah ça y est, oui, t'as raison, ça y était pas là. Bah j'ai pas vu les panneaux jaunes. Hein. Moi je te dis, le seul truc qui m'a fait douter, c'est le fait que les voitures elles soient toutes dans le même sens. Je me suis dit, bon. Ça sert à rien de t'agacer derrière, il dit, le gars, il bah, prend ma faute. Ouais, bah heureusement qu'elle a mis, elle nous a redonné Zoé avant. Ah bah ouais, puisque là. On sera en retard. Hein. Oh putain. Et puis en même temps, on tombe sur un pignouf. Ça va, tu penses. Peut-être Dan. Donc là, je sais plus où, Paul. Là, t'es au parc. Là, tu peux tourner par là. Ouais, mais si je te trouve là, je vais pas pouvoir tourner à gauche, tu vas voir. Ah, putain, j'ai plié ma couverture. Ah, bravo. Alors, je sens que je vais être obligé de refaire tout. Oh putain. Là, est-ce que je peux tourner là? Je vois pas de panneau. Oui, c'est bon. Oui. Ouais, ça fait chier leur connerie là. Bah ouais. Là, interdit. Ça, comment ça fume là? Ouais, c'est des trucs. Puis ici, ils se garent partout alors que les routes elles sont déjà pas larges. Mais j'ai une gueule là, il y a des chantiers. Attention, il y a quelqu'un qui traverse. Et là. Là, tu vas aller où? Là, à droite. Bah là, oui, tu peux. Oui, tu peux. Qu'on regarde le vlog de la semaine dernière. Ouais, la rue. Tu t'arrêtes? La rue, savoir si on a vu le poteau ou pas. Parce que moi, je te dis, le seul truc que je me souviens, c'est que je t'ai dit, t'es sûr que c'est pas à sens unique? Il faut qu'on. Oh là, je l'aurais vu quand même, les panneaux jaunes. Après, bah, je veux bien qu'en discutant quoi, tu. Oui, t'es moins attentif, mais quand même. Ouais, mais. Toi, tu t'as l'habitude. Mais ouais, ça me paraît bizarre. Flashback. C'est dommage, elle avait son truc qui recouvrait le Hulk. Je sais pas où tu veux aller. Tu sais pas. Non. Mais si lui là-bas il monte pas sur le trottoir. Moi je l'écrase. Ah les vieux ils ont du mal avec les trottoirs. Ouais. La marche est haute. Tu veux faire tes photos d'identité où? Bah la galerie marchande là, Jean-Jaurès. Hein? Bah la galerie marchande de Jean-Jaurès. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah comme ça je vais pouvoir aller pisser. Poussez-vous, j'arrive, faites plonge. Là au cas où. Mais sinon tu fais comme t'as dit hein. Ouais, j'y passe pas. Sinon tu fais comme t'as dit. Ouais bah j'ai rigolé. Quoi? Ouais. Bah. T'as de la place hein. Et moi faut aller boire un café parce que j'ai envie de pisser. On va lui faire un petit poupi. Oui. Toi, va à droite là. Très bien. Et moi, je vais prendre là. Ici. Mais tu dois payer. Bah non, ma carte, je sais pas. D'accord, ok, non, mais je te demande. Non, là-bas, ça faisait un petit peu juste quand même. Oui, puis vu le camion, comment il était, quand il va reculer, il va te taper, donc c'est pas la peine. Il est où le poteau là? Il est juste là. Plus me garer là, mais pas de problème. Bah, parfait, voilà. C'est très bien. Ça me casse les roubignoles. Mmh.
30 chez le médecin. Ouais, je suis bien. Donne-moi ça. Bah ça c'est sur le portable. Hein. Allez, oh, fume-le. Parce que là, à mon avis, toi, t'es. Bah et puis en plus il gueule. Mais. C'est lui qui roule au milieu et il gueule. Oui, je te promets. Elle est pas mal celle-là, tiens. Je te l'envoie parce que j'ai fini avec mon prix. J'attends que ça te l'envoie, sinon ça l'envoie pas. Bon, ben voilà. L'aller-retour, tout, c'est fait. Bah oui, j'avais oublié que le deuxième rendez-vous c'était plus tôt, pendant les 15 jours. Donc voilà, j'avais un petit peu zappé ça en fait. Du coup, rentrer beaucoup plus tôt que prévu, un peu gros. Plus qu'à rentrer tranquille. Donc voilà. Bon, ça reste très calme. Elle s'est carrément datée ici. Oh là là, c'est quoi ce bazar? J'ai lavé la voiture hier, pas hier, avant-hier. Elle est tout propre. Il y a carrément une traînée de terre. Je sais plus ce qu'il y a eu là. Demain. Normalement, jeudi matin, j'ai ma cliente pour ses courses. Sauf qu'entre temps, j'ai une collègue qui avait besoin pour demain matin. Ce que j'ai fait en fait, c'est que demain matin je vais aller à Tours et demain après-midi je vais faire les courses avec ma cliente. En plus, ça l'arrange parce que il va y avoir pharmacie, boucherie, biocop, voire pour des chaussures. On va aller acheter une paire de chaussures. Donc du coup ça l'a un petit peu arrangé aussi, ça va être demain après-midi. Donc voilà, petite journée tranquille demain. Après demain matin il fera que la cliente qu'on dépanne. Demain après-midi il n'a pas de batch-up qui dépose le Q5 pour la révision. Pas pour la révision mais c'est quoi, les pneus arrière. Bon, puis il y avait un autre truc, je sais plus. Donc voilà, donc, comme apparemment il n'y a pas de voiture de près. Donc voilà, ça continue et ça continue. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Oh, mes freins, j'en ai marre de mes plaquettes de freins, je vous jure. Ça devient pénible. Des fois, je ne veux même plus freiner. Donc voilà, pour finir la journée, j'ai oublié de faire signer le relevé de date à la psychomotricienne. Ça va, je peux l'envoyer par email, donc elle me le renvoie. Que ce week-end, j'aimerais bien faire mon patiné peinture quand même. Parce que là, on arrive fin octobre, je crois que j'ai le mois de juillet à déposer, je crois, de mémoire. Non, août. Juillet, je crois que j'avais déposé. Tout le mois d'août à déposer, puis bah, le mois de septembre. J'aimerais bien me mettre à jour quand même. Donc voilà. Ça, et puis voilà quoi. Oui, à vérifier, faut que je regarde. Comme quoi, je peux faire des bêtises, hein, l'erreur avec email, hein. Personne n'est parfait. Mais les retours que j'ai fait la semaine dernière, je me demande si je l'ai pas. Enfin, j'ai pas mémoire qu'il y avait les panneaux interdits, les petits panneaux jaunes. En disant que c'était interdit. Les rues que j'ai pris pour aller directement au parking où je me gare le mercredi. Il y a un radar, les gens, et je vous jure, c'est radar à 80, on est à 55. Non mais les gens sont cons, sérieux. Faut être vraiment à ta boutique quand même.
rue où justement la cliente elle me dit bah t'es en centre interdit ou quoi. Honnêtement je vois pas les panneaux interdits. Et le pire c'est que juste avant de prendre les rues, je regarde sur Google Maps que je sais qu'on voyait des flèches pour dire les centres d'orientation, les centres de circulation quoi. Et ça me disait que je pouvais faire toute la longueur. Et là apparemment non. Donc vu que c'est les petits panneaux provisoires, les petits panneaux jaunes là. Ben, le sens interdit avec un entourage jaune fluo, comme ils font sur les autoroutes. Ouais, c'est bizarre, faut que je vérifie ça. Si j'ai fait une boulette, j'ai fait une boulette, j'assume. Donc voilà quoi. Bref. Allez, j'arrive chez moi, je pense que j'en connais deux qui vont être surprises. C'est bien comme ça, je vois si elles font des bêtises ou pas. Allez, on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bagotoutous pour la matinée. Et donc voilà. Et cet après-midi, ma cliente pour ses courses. Pardon, comme j'ai expliqué hier. J'allais à Tours ce matin et puis j'ai pris une course pour dépanner une collègue. Fred ne peut pas faire ma cliente pour les courses. Donc j'ai demandé si je pouvais l'emmener cet après-midi. Puis du coup ça l'a un petit peu arrangé puisqu'elle voulait faire en route tout en même temps. Donc voilà, impeccable. Donc voilà, et puis tu Fred, mon collaborateur, fait juste une course ce matin. Très calme. Même dit à ma collègue hier, j'ai dit que ça me donnait. Elle m'a fait, j'ai très calme, tu sais. J'ai pas vu l'autre. Et donc voilà. Et puis cet après-midi, dépose le Q5 pour changer les pneus arrière et la révision. Et donc ça roule, et puis ça l'ouvre. Les gars, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Donc voilà, programme de la journée. En plus, comme j'ai dit, d'habitude, mon collaborateur a toujours une voiture de prêt quand il dépose le Q5 à son petit garage. Qui en soi, c'est très bien, il va au garage. Parce que comme le Q5 n'est plus de garantie, ça coûte moins cher que faire réparer chez Audi. Là-dessus, pas de soucis. Mais d'habitude, il a toujours un véhicule de prêt. Et là, pas de véhicule de prêt. Pas tout. Et donc voilà. Bref. Et puis je vais pas dire surveiller le groupe, mais voilà quoi, si je peux récupérer quelques courses pour demain, mais je pense que ça va être très calme. Que demain tour. Donc voilà. Semaine quand même, malgré que le mardi la deuxième orthoptiste elle a pas pu son boulot correctement. Elle, à mon avis, quand la première va revenir, elle va se faire taper sur les doigts. Je pense. Comme ça. Donc voilà. Bon, hier je suis allé chez Bojo pour récupérer la nouvelle voiture de madame. Et je me suis renseigné un petit peu sur le nouveau 5008 qui va sortir. Ça me tape de plus en plus dans l'œil. Donc voilà. Alors je me tâte ce que je vais faire. Soit je revends le Q5 et puis le collaborateur aura le X5, ou soit je revends les deux. Moi je me prends le 5008 et puis le collaborateur le 3008, faut peut-être pas non plus abuser vu les remerciements que j'ai. Donc voilà, je sais pas, je vais voir. Mais certainement aller en électrique. Alors déjà le nouveau 5008, il faut savoir qu'il ne se fait plus en diesel. Alors ni le 5008 ni le 3008, je crois. Il n'y a pas la 308 ou 508, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai un doute. Il ne se fait plus en diesel. Donc voilà, que ce soit hybride ou électrique. Donc c'est hybride essence.
Mais voilà, discuter vaguement hier. Enfin, vaguement, non. Bah, faut se méfier avec le hybride, parce que bah, c'est de l'essence, bien sûr. Et c'est hybride à 70 km d'autonomie. Mais quand les 70 km sont épuisés, si vous arrêtez à un feu rouge, la voiture, elle va recharger votre batterie hybride. Et comme c'est de l'essence, bah, pour recharger, ça va remonter en tour, tour minute. Et qui monte en tour minute. Donc, c'est ça. Après, l'électrique, l'autonomie, alors si on prend la plus grosse batterie, l'autonomie est de 500 km. Alors, il dit réellement 500 km, puisque avec l'autoroute et tout, voilà. Que sur papier, c'est marqué 600 et quelques kilomètres ou 700 km. Mais bon, voilà. Vu que moi, je ferai beaucoup d'autoroutes, enfin, que je fais beaucoup d'autoroutes. Donc, voilà. Donc, à étudier, quoi. On va voir, je sais pas. Puis, bah, après, je vais pas dire préparer, mais on sait jamais pour la suite, quoi. Donc voilà, après c'est un PJ, hein. J'aime bien mon X5, hein. Je l'aime beaucoup ma voiture, mais voilà quoi. Après il faut penser à tout ça, tout ce qui va se passer, et les budgets et tout. Donc voilà, voilà. Et puis il y a quelque chose près. Après, mais ouais, c'est une voiture française ou une voiture allemande. On est bien d'accord. Voilà quoi. Si on continue à travailler comme on continue à travailler actuellement avec mon collaborateur, bah ça va pas aller marrant, hein. je le dis honnêtement. Donc voilà, donc il va faire la gueule et puis pas prendre les courses et plus rien faire, hein. Et à plus faire les efforts, bah moi j'ai plus rien en plus, hein. Donc voilà, toutes ces belles paroles du matin. Donc voilà, donc du coup demain je retourne chez Peugeot et étudier un peu tout ça. À voir. Et allez, j'attends que le feu passe ouvert et go to tous.
culotte. Bah voilà, l'aller-retour tour c'est fait, puis qu'à rentrer grignoter puis ressortir pour faire ma clé pour ses courses, donc voilà. Et là la séance aujourd'hui elle a duré un peu plus longtemps que d'habitude, bah, du fait qu'elle l'ait pas pris mardi elle a compensé aujourd'hui, c'est un peu long. Comme ça, j'ai eu mon téléphone avec un collègue, parler un petit peu de nos collaborateurs respectifs. Alors nous voilà, et de ce qui peut arriver plus tard en 2025. Alors nous voilà. Ah, bon. En train de récupérer les cours pour mon collaborateur demain. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai pris une course. Il fallait que je redonne juste le retour de mon client de sa séance de kiné. Que sinon, ça va pas enchaîner pour Fred. Donc voilà. Bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Ça reste très calme dans l'ensemble. Donc voilà. Il y a même des collègues qui sont en congé puisque bah. Très calme. Donc voilà. Comme ça. Ça et puis. Pas assez de boulot pour deux. Et donc voilà. Après, si je voulais, Fred faudrait aller tout, et puis moi je reste sur place, comme c'est très calme sur place. Mais bon, moi je préfère faire les allers-retours tour tranquille. La cliente, elle préfère que ce soit moitié emmène que Fred, que le collaborateur, pardon. Allez, allez, on voit les cailloux, je vais rien dire. Donc voilà. Ça et puis voilà quoi. Pour cette matinée. Bon ça je vois c'est les vacances parce que ça roulait quand même. Bon, moins qu'en été bien entendu, mais ça roulait quand même pas mal. Mais le pire c'est que ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude de conduire ni rien, mais c'est encore eux qui ont raison. Hein. Ça traîne sur la voie de gauche, voie de droite. De gauche, n'importe quoi, voie centrale et voie de gauche, ça bouge pas, ça traîne, c'est à cheval sur deux voies, et... voilà, ils se rendent pas compte qu'ils sont sur l'autoroute en fait, mais bref, ou ça vous bloque derrière un camion, et la passagère regarde pas rigoler comme ça, bah ouais, bah non, bref, on a tous les mêmes, hein. On a tous les mêmes. Bon, j'avoue que ressortir cet après-midi. Bon, c'est cool de ressortir. Ça va le faire. Pardon. Voilà. Bon, après, normalement, lundi, ça sera. Je vais faire un petit week-end de 3 jours. Ça va dépendre. Si. T'es calme, bah Fred il enchaînera tout. Si on me demande pas mal de dépanner, je prendrai les courses et puis je prendrai la cliente pour Vierzon.
Je vais voir comment ça va se passer. Pour lundi. Comme ça, entre temps, j'irai voir ma petite belle maman, on boira un petit café. Et voilà, ça lui fait plaisir quand on passe. Donc voilà. Allez, j'arrive chez moi, grignotage. Allez, c'est reparti. Vas-y, rentre dedans, j'ai rien de bien, toi. La cliente pour ses courses. Puis là, je sais pas combien de temps ça va durer, donc avec tout ce qu'elle a à faire. Ça va durer un petit moment, je pense. Et c'est comme ça. Madame la factrice. Bonjour. Oui, il fallait que je réclame mon bon transport concernant Issoudun. Qu'on a fait quand même pas mal et il n'arrive pas à facturer. Bon, après en soi, il dit pour rien parce que ça a mal été. Ça a mal été rempli de mon transport. Je m'envoie un petit peu trop d'air frais dans les machins. Un mec qui attend comme si elle continuait en rompant, par contre elle sort. Ah oui, je m'envoie un petit peu trop d'air frais. Mon médecin, je la reconnais pas. Tu vas te taire un peu là. Oui, il faut rien parce que ça a mal été rempli. Alors, je sais pas si c'est le fait, si ça a mal été rempli, ou si réellement il aurait dû prendre une embûche. Donc voilà. Bon, du coup, vu qu'on l'a emmené, ben, quand je dis on, c'est les taxis conventionnés. Que bon, on va se faire dépanner pas que par nous. Hein. Voilà, c'est normal. Bah du coup voilà quoi. Pour pas facturer avec un monde de transport où ça a été coché en but. J'ai interdit, normal. Alors comme je dis, est-ce que c'est une erreur de code, est-ce que c'est une erreur de la part du client qui aurait dû appeler une embûche et non un taxi conventionné. Voilà quoi. Si on lui dit pas, il pouvait pas savoir l'enjeu. C'est comme tout. Bon, EDF, là, vous faites quoi, là? Et vous sortez du restaurant, vous êtes plein. Mais je sais pas ce qu'il a voulu faire, là, mais... À mon avis, ouais, il commence à prendre rond-point, le premier. Vous allez peut-être porter un petit peu trop sur la perro, les gars. Ouais, ça roule comme des salés, ça freine comme des cinglés. Ils sont pas bien les deux là. Bah, rajoute tout à l'heure. Donc voilà. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré quelques courses pour mon collaborateur demain. Petit rototo. J'ai bu mon café en vitesse. En vitesse. Je commençais à me préparer pour partir à deux. Je me disais, j'ai pas bu mon café. J'ai fait coller vite fait. Voilà. Et donc ça, et puis voilà quoi. La semaine prochaine il y aura un peu plus de longue distance. Il y a mon client qu'on emmène pour sa séance de kiné qui va à Orléans.
c'est mon fameux client qui a la maladie Parkinson. Ou des fois. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas emmené et puis je ne peux plus trop l'emmener non plus quand je pourrais. Parce que bah, il peine tellement de plus en plus à marcher et tout que bah il a tendance à tomber facilement. Donc moi voilà quoi. Je sais pas, je ne veux pas mais. Et je crois que vous avez trop forcé sur l'alcool les gars. Ça c'est tout. Ils sont contents. Et des Unitis là. Oui, qui pète tellement de plus en plus à marcher que voilà quoi. Si jamais il tombe, je suis pas dans la merde quoi. Donc voilà. Et du coup, ouais, je sais pas ce qu'il faisait à Orléans, mais j'ai fait installer un truc pour mesurer, je sais pas quoi. Après, ça dépasse mes connaissances. Après, je voilà pas comme ils disent après. Mais t'es médecin ou t'es chef de taxi? De base, chauffeur de taxi. Après, on peut avoir des connaissances, des débats. Ouais, en fait, c'était le premier qui allait arriver au bureau de Nedich. Il est content, il arrive le premier lot. Il est content. Et à Eric. Bref, donc ouais, donc la semaine prochaine, tout pour Fred. Je crois que c'est mardi après-midi, puis l'autre, ça doit être le jeudi, je crois. Le week-end d'après, week-end de 3 jours. Avec le vendredi 1er novembre. D'ailleurs, désolé pour celui qui regarde quoi, enfin bref, avec le collègue avec qui j'étais au téléphone ce matin, j'ai dit bah ben j'ai le jour, j'étais en formation pendant 2 jours et tout. Ah bah ben, t'es avec mon ami un tel. Ben, j'ai dit ouais. Alors, ben, il fait pas bien, il explique bien, il a un bon parler, il fait. Quelqu'un où on a vraiment envie de l'écouter. Il y a des gens qui, quand ils vous expliquent quelque chose, ils l'expliquent tellement bien qu'on a envie qu'ils continuent encore à expliquer des choses en fait. Bon, il y en a qui expliquent très mal, comme moi par exemple. Il y en a qui ont un très bon parler et qui expliquent super bien les sujets. Et je dis ouais, il parle super bien. Il fait ouais, t'as vu, il te donne des conseils, il te dit qu'il faut pas faire et tout. Bah, il dit ouais, tout ce que lui faisait pas. Enfin, tout ce que lui faisait qu'il ne fallait pas faire. Bah, je dis ouais, je sais. Et ouais. Après voilà, c'est son problème, hein, pas de l'autre. Et après voilà, c'est comme je vous l'ai dit, ouais, se faire former par quelqu'un qui n'a pas forcément été très, on va dire, clean dans ses affaires, surtout concernant le métier de taxi. Puis après il a plein d'autres activités à côté, voilà, je rentre pas dans le sujet, ça ne m'arrête pas, c'est son problème. Mais voilà, cœur du taxi, ouais. Pas forcément très réglo et que ça nous donne des conseils et nous dire ce qu'il faut faire et pas faire, un petit peu mal placé le bonhomme. Et bon, on va dire c'est passé. Bref, donc voilà, mais c'est bien calme là, cette fois-ci, c'est bien, on va être tranquille. Et donc comme j'ai dit ce matin, ouais, enfin tout à l'heure avant de manger, magasin de Biocop, magasin de chaussures, la boucherie, la pharmacie. Comme ça. Salut. Collègue ambulancier. Thank you.
reste là, qui veut tourner derrière moi. Bref, allez, on va aller faire les courses. Bah, j'attrape chaud moi aujourd'hui. Peut-être me garer un petit peu mieux que ça quand même. Donc, je sais pas, sur une place où on va dire que je suis autorisé, mais juste le temps que la cliente. Donc, du coup, elle m'a rajouté un truc en plus. Je vais manger la circulation. Voilà, on a fait la librairie. Magasin Biocop. Magasin de chaussures. Là, maintenant, la librairie. Là, j'ai commandé deux livres, je sais pas quoi. Puis voilà. Puis le soleil, il chauffe la journée. Là. J'ai 21 et j'ai l'impression qu'il fait plus que ça. Bref. Donc là, je l'attends. Bon, en fait, là, je suis sur une place de livraison. Bon, en général, les livraisons sont le matin. Je dis bien en général. Donc voilà. J'espère que s'il y a la police ou quoi, ils me diront rien. Je leur dirai, j'attends une cliente là. Mais... De toute façon, c'est comme si elle me voit pas là, j'aurais monté la rue là et je serais sur un parking plus haut. Donc voilà. Mais ça se voit qu'il fait beau et tout, parce que tout le monde est sorti, tout le monde se balade, tout le monde fait les magasins. Donc voilà. Allez, je continue à attendre, puis j'ouvre les fenêtres, puis que j'ai chaud. Je suis en train d'attraper chaud là. Bon. Plus on continue, plus ça rallonge. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On a fait quoi? On a fait Biocop. Biocop. Magasin de chaussures. Oui, quand j'ai fait la séquence, elle était à la librairie. Ensuite, arrivé à la boucherie. Enfin, le temps de faire le trajet entre la boucherie, entre la librairie et la boucherie, elle me dit, t'auras un peu de temps pour m'emmener à Intermarché? Ouais, j'y voulais. Après, on arrive à la boucherie, mais c'était pas encore ouvert. Donc, du coup, déposé à Intermarché. Là, maintenant, la boucherie. Puis après, bah, normalement, ça va être finir avec la pharmacie. Et donc, voilà. Mais, pfiou. Alors, je fais pfiou parce que j'ai chaud. Donc, voilà. Donc, tu vas arriver, tu vas quand même m'entendre parler. Mais ouais, j'ai quand même 22. Puis manque de vol à chaque fois où je me gare, si j'ai le soleil en plein dans le pare-brise à chaque fois. Et là, je peux vous dire, j'ai le dos trempé. Mais c'est comme ça. On n'a pas de plan. Donc voilà. Bon, puis du coup, la cliente, elle est contente que. Bah voilà, quoi, que au lieu qu'elle fasse ce matin vite fait avec un collègue ou avec mon collaborateur, bah du fait que je lui ai proposé pour l'après-midi, bah au moins, elle fait tout, elle fait ce qu'elle a envie. Et puis. Puis voilà, quoi. Parce que ouais, jamais elle aurait fait tout ça avec quelqu'un d'autre ou avec mon collaborateur, ça c'est sûr. Puis si ça te arrive à la pharmacie, elle va te demander autre chose. Hein. D'aller au garderie marchande. Le magasin géant, il est fermé. Définitivement, mais encore la garderie marchande. C'est possible. C'est possible. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Bon, ben voilà. Ouais, j'en ai terminé. Les courses terminées. Bon, en soi, ça ne dérange pas les courses. C'est tout comme ça tout le temps, tous les jeudis. Mais là, pas eu de balle. À chaque fois, j'étais en plein soleil pour en attente. J'ai attrapé chaud. C'est comme ça. Puis plus comme c'est calme, donc je suis pas au téléphone ni rien, donc voilà. Bah, y a plus qu'à rentrer, oh, je mets du gasoil. Mais là, par où je passe, y a pas de station, puis j'ai pas envie d'aller magasin Leclerc, parce qu'il y a du monde à la station. Donc on verra ça demain matin. Bon, pas que je sois allé voir quand même. Hein. Au pire, je ferai un plein. Enfin, pas le plein complet, mais mettre du gasoil, vite fait, bien fait, le temps de faire l'aller-retour, et puis voilà. Ou au moins faire l'aller. Que là, l'aller, je pourrais pour. Que là, j'ai une autonomie de 238. Hein.
n'y crois pas trop. Donc voilà. Bon, je peux pas vous la montrer, mais elle m'a offert une petite bouteille de crémant pour mon cadeau de Noël. Un petit peu en avant. Un peu en avance. Oh, c'est barré là. Oh, ça doit être sympa encore ici par là. C'est barré de partout. Oui, mon petit cadeau de Noël en avance. Donc voilà, c'est gentil. Bon, puis là, elle était contente. Elle a pu faire tout ce qu'elle voulait. À l'aise. Parce que voilà, elle est à l'aise avec moi. Elle peut demander tout ce qu'elle veut, aller où elle veut. Que voilà, quand c'est des collègues qui dépannent, bah, elle n'ose pas trop dire est-ce que vous avez le temps pour faire ci, faire ça. Voilà. Là, quand je suis arrivé pour la prendre, elle m'a demandé combien de temps j'avais devant moi. Je lui ai dit j'ai tout mon après-midi, j'ai que vous cet après-midi. Voilà, déjà ça lui a fait plaisir. Puis bah, après, bah, voilà quoi. Elle a pu aller récupérer ses chaussures, elle a pu récupérer des livres qu'elle avait commandés. Ça c'est chaussures et puis librairie, c'est assez rare qu'on le fasse le jeudi. Assez rare. Donc voilà. Bref. Bon allez, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement. Et prendre une bonne douche que là j'ai le dos trempé. Et on verra fin demain. Dodan, blah. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Bah, go tous. Pour la journée. Donc voilà. Et mon collaborateur reste sur place avec deux petits longs distants dans le Cher. Il faut compter. L'un c'est une heure aller-retour et l'autre c'est 2 heures aller-retour. Donc voilà, pour finir la semaine. Surveiller le planning, enfin le groupe pour la semaine prochaine. Bon voilà, collègue qui me donne pas mal de cours là en ce moment, je pense quand même me demander dans la matinée pour lundi. Donc voilà. Que pour l'instant je ne roule pas lundi. Mais si je peux récupérer les cours de mon vide. Là, j'irai sur Vierzon faire la cliente et en même temps récupérer le bon transport, que son bon transport n'est plus valable pour le Vierzon. Donc je voudrais pas continuer à faire les Vierzon sans bon transport, bien évidemment. Nous sommes pas une société caritative, bénévolat, ou tout ce que vous voulez. Mais bah, vas-y, là. Et donc voilà. Voilà où je vous parle. Comme quoi, la semaine dernière, j'avais pris les routes tour pour arriver par l'autre côté, là où on se garde tous les mercredis. Et le matin même, j'avais regardé sur Google Maps les rues en sens unique, en sens inverse, tout ce que vous voulez. Véridique, hein, après. Et la longue ligne droite, la longue rue, sur Google Maps, elle vous indique les flèches comme quoi elle est tout en sens unique dans ce sens-là, tout le monde. Et là, cette semaine, quand j'ai voulu refaire la même chose, j'ai vu qu'il y avait le panneau interdit. Vous comprenez, c'est un petit panneau provisoire à la con, interdit et tout. Donc la police, comme vous l'avez vu, j'ai tourné à droite, après à coup de gauche, et puis voilà. Et bien la semaine dernière, effectivement, ma cliente à la raison, j'ai pris la rue les 500 mètres là, et je l'ai pris en sens inverse. Parce que provisoirement, ils ont mis un petit panneau à la con. Comme quoi, hein. Pourtant, je suis quand même assez attentif et tout, mais là. Et j'assume, hein, je vais pas chercher des excuses, machin, bidule ou autre. Qu'on discute pas ou quoi, j'aurais dû faire attention. Voilà, c'est une grosse
grosse erreur de ma part. Mais c'est pénible, hein, les rues de Tour là. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans, hein, du tout. Mettre un coup sur un verre double film, machin, enfin, ce coin-là, c'est extrêmement pénible. Je vois pas trop l'intérêt. Et tout ça, mais tout ça peut que nous réduit les voies et que voilà, piti clap pour ces abrutis de cyclistes de merde. Et trottinette, hein. Tout y passe, hein. Mais voilà quoi, c'est. Ça devient pénible cette histoire. Mais voilà, comme quoi il faut être très attentif. Du coup. Ouais, du coup. Faut toujours être attentif de toute manière. Ça, voilà, mais ouais, je m'en veux un peu quand même. Parce que hier j'ai fait le montage du vlog et j'ai recherché la séquence en fait de la semaine dernière et j'ai dit putain merde. J'ai vraiment pris en sens inverse quoi. Bon, j'ai oublié un peu quand même. Bon, heureusement qu'il n'y avait pas de voiture qui arrivait en face. Parce que sur le coup, bah, j'ai rigolé quoi. Tu sais, pourquoi tu me bloques la rue ou quoi. Bah, en fait, quand lui, il a eu raison quoi. Lui ou elle, voilà. Mais. Voilà, voilà. J'assume entièrement. Bah. Donc voilà. Donc ça, et puis. Le vlog ne sera pas extrêmement long. De toute façon, ce que je fais, c'est répétitif. Hein. Je tourne le matin. On entend l'après-midi un petit bricole, mais bon, voilà quoi. Ah oui, le gasoil, c'est vrai. Oh j'ai oublié qu'il fallait que je mette du gasoil là. Oh merde. Qu'est-ce que je fais? Je le mets là où. Moi je prends mon temps, enfin je prends mon temps. Mon quart d'heure, ben chaud, il est bouffé. Mais voilà, faut pas que je traîne de trop en plus. Bon, je vais remettre un bout là, je vais pas avoir le temps de faire le plein complet. Oh merde, le con. Je l'ai dit hier en plus. Puis moi, faire plein le matin, j'aime pas. J'aime pas, parce que si jamais la pompe elle a un problème ou quoi, elle va pas de gasoil. Il suffit avec eux. Avec le cul que j'ai, ouais, je vais mettre vite fait un peu de gasoil et puis. Que là en plus la station elle est. Enfin la pompe elle est molle, pas très longue. Oh merde le con. Oh Tom. T'es pas sérieux. Oh puis hier je voulais pas te faire. Que là où j'ai déposé ma cliente, c'était pas très loin de Leclerc. Il y a tout le temps du monde à cette station, en plus alors qu'il était, c'était même pas la peine. Lors de sortie du bureau et tout. Oh, mais... oh, je fais pas très 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 de retard. Ça va se jouer pile poil. Ah j'aime pas quoi, on est comme ça là. Idiot. Allez, gasoil. Hop, on s'arrête. Hop, du coup, j'ai fait plein complet. Pour 2-3 minutes. Hein. Là, combien 180. Oula, mon crayon, il est pété. Ok, super. Ah, tu vois, vraiment. 184. 415. Allez, hop. Allez, pas très bien Tom, autonomie 895 km, mettons 0, j'aime pas circuler dans les parkings quand il n'y a pas de lumière, toujours peur qu'il y ait une bordure, un machin trop autour, oh la con, la chambre est chouette, allez ouf. Ouais du coup je vous ai pas dit mais... J'en ai eu pour 116 euros, je crois, de mémoire. Ouais, 116. Et j'ai mis 70 litres, presque. Non, 60 litres. 70, je sais plus. Voilà, j'ai vite de regarder, parce qu'il fait trop au fond. Bref. Allez, c'est une petite pause.
fort pour passer dans le... de la pile lui là-bas. Non, il n'avait pas envie de se rebattre. Non. Belle merde. Ouais, pas trop tôt. J'ai pas compris là, je me suis dit, mais quoi cette cassos ouais. Je m'attends à toi ici. Moi. Non, mais dis donc, Pépé. J'ai une fontaine là. Ah, ouais, j'ai jamais eu non plus. Hé, Pépé. Purée, le pauvre. J'allais pas tout droit, hein, mamie. Hein. C'est clair. Qu'elle a pris à ta droite. Bah non, je suis con. Quoi? Bah non, si, elle avait raison. Non, mais c'est moi qui vais. Oh en ce moment. Pourquoi j'ai pas compris? Ah oui, oui, là, t'es oui, à l'ouest. Bah, oui, oui, oui. Mais je suis pas mieux non plus. Hein. Ça va l'aller, ça va l'aller. Oui. Ça la fatigue. Bah, je sais pas, mais en ce moment. Bah tu verras, tu sais, quand on va garer à la mairie, on va dire, le mercredi. L'autre fois, tu m'as fait la remarque que tu as pris la rue en sens inverse. Oui. Oui, bah, j'ai bien pris la rue en sens inverse la semaine dernière. Heureusement qu'il n'y avait pas les flics. Hein. Non, mais attends, je t'ai pas mis dans le blague. Mais cette semaine... Quoi? C'est que quand on repart... Oui. Tu passes devant la mairie, enfin tu fais la boucle. Ouais. Après on s'est dit, tiens, la brasserie, on dit dans 15 jours. Oui. Voilà, tu continues. Après je tourne sur ma droite et puis pendant un moment il y a la police sur la droite qui sont en train de contrôler une voiture. Oui. 5 mètres après, il y a un feu rouge. Tu l'as pris au rouge? Non. J'ai pas vu. Bah j'ai pas fait gaffe non plus. Tu vois, j'ai regardé les flics et puis c'est quand j'ai fait le blog, j'ai dit. Oh là là! Et on a eu trop de chat de pas se faire rentrer dedans! Parce que c'est quand même
un axe. Bah non, non, c'est un. En fait, c'est le feu. Ah, c'est quand tu peux tourner. Ouais, c'est l'histoire de petite rue à la con, sur la gauche. Okay. C'était pas non plus un gros carrefour, ouf. Mais. Ouais, mais ouf quand même. Mais heureusement que. Bah ouais, faut faire attention. Mais t'imagines les flics là, ils auraient vu. Ouais, c'est vrai. Bah, ils m'ont dit, ah, dans la voiture, puis ils me poursuivent. Puis moi, j'aurais pas compris sur le coup, tu vois. Ouais, grave. Coup, Vous savez pourquoi on vous arrête? Non, du tout, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah... Promis, j'étais pas garé. Et le feu là-bas? Ah, vous avez pas vu? Eh, mais j'ai pas vu non plus, hein. Autant c'est moi qui t'a dit j'ai un doute sur la rue. Ouais dans la oui ouais puis parce comme que vu que tout le monde était garé dans le même sens j'ai eu un doute. Mais je l'ai pas vu moi le panneau la semaine avant, ouais, je l'ai vu celui-là. Hein. Il est bien. Oh, putain. Alors ça bah va, d'accord, pas de problème hein. C'est pas comme si on arrivait. Non, ouais, c'est clair. Mais ah ouais, quand même. Ouais. Oups. Ouais, comme tu dis oups. Et t'as mis dans le vlog le tout? Non, j'ai pas. Feu en rouge, j'ai pas mis dans le lac. Ah, je comprends pas. Je comprends pas beaucoup. J'en ferai un coup de flashback. Ouais. Flashback. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents pendant les vacances qui veulent pas que les enfants y fassent des rendez-vous. Hein. Bah, c'est un peu dommage. Bah oui. Bah, moi, vacances ou pas, je peux te dire. En plus, pendant les vacances. Ouais, je pense que c'est ça, c'est quand je t'ai dit t'as vu là en train de se faire contrôler et puis. Ouais. Ouais, j'ai regardé et puis. Ouais, des fois t'as vu, il suit pas de grand chose. Hein. Non, mais là, en pas de temps, là, ça fait deux conneries quand même. Hein. Non, mais. Pas bien quoi. Bah oui, mais c'est pas comme si on le faisait exprès. Ah bah non, voilà, non. Puis on s'est rendu compte du panneau là la semaine dernière et tu y es pas passé, hein. C'est pas comme si t'avais vu le panneau puis que t'avais continué. Ouais, mais pourquoi je l'ai vu là et j'ai pas vu la semaine dernière? Bah, je sais pas. Bah, je t'avoue, moi non plus, j'ai pas vu. Hein. Je te dis, moi, le seul truc qui m'a tilté, c'est les voitures toutes dans le même sens, c'est tout. Mais tu vois, comme quoi le Google Map, il est pas toujours correctement, tu vois. Bah, non. Parce que tu veux faire attention au sens, enfin, au sens de la circulation et tout. Puis en fait, non, c'est pas bon. Ouais, mais ils sont tout le temps en train de regarder, c'est comme un bouge, t'as des rues. La semaine A, tu peux passer. La semaine B, c'est déjà bloqué, tu peux plus. Ils sont tout le temps en train de changer. Bah, pas sur de la circulation. Bah. Et tout ça pour qui? Pour ces connards de cyclistes. Ah. Ben voilà, l'aller-retour, tout, c'est fait, plus qu'à rentrer, se poser un peu, et ressortir, pour un petit rendez-vous chez Pigeot, voir un peu les tarifs ou les options, tout ça, du nouveau 5008, à étudier un peu, préparer un peu le terrain, on va dire. Alors, de base, je suis pas fan d'électrique. Hein. Bien le stop,
C'est que l'idée merde bien le stop. Magnifique vieux con. Alors oui, je suis pas fan de voiture électrique, hein. C'est pas mon truc. Mais vu que maintenant les grandes villes, petit à petit, qu'on voit que Paris 2025, plus de thermique, diesel essence, que ce soit que les voitures électriques ou à hydro, je sais plus quoi là. Donc voilà. Moi qui va tout le temps à Tours, j'ai peur que Tours décide de faire la même chose et de passer à, enfin qu'il n'y ait pas de thermique dans la ville. Ben voilà, faut préparer tout ça. Et puis il faut savoir que quand on prend une voiture, ben on en a au moins pour 3 ans, on va dire, une moyenne de 3 ans pour certains. Donc si jamais ça se décide en 2026 d'instaurer tout ça et quoi, et puis bah, je suis bloqué pendant 2 ans de ne pas pouvoir aller à Tours, enfin bref, je suis obligé un peu de préparer tout ça, d'accord. Il faut savoir que le Q5, les juin 2025, je pourrais la revendre. Puis vu que les délais de livraison des voitures maintenant, c'est un petit peu long. Donc voilà, je vais essayer de commencer à étudier un peu. Le coût, après le coût de l'électricité et puis le gasoil. Là j'ai un collègue, bah, c'est un collègue qui roule en Skoda Enyaq électrique. Je lui ai demandé, je lui ai posé quelques questions déjà hier, savoir si s'il payait cher d'électricité. Mais après faut pas prendre en considération à 100% son montant. Voilà, ça peut varier entre la voiture, chez soi, enfin bref. Mais lui, par exemple, avec son Enyaq, pour faire 10 000 km, il paye à peu près 600 euros de recharge. Donc voilà. Donc moi, il faut que je calcule un peu tout ça. Le coût de l'électricité, le coût de gasoil. Bon, il y a la D-Blue, mais bon, c'est pas ça qui va faire un grand changement. Donc voilà, il faut étudier tout ça. Mais bon, après, j'avoue, hein, je suis pas fan d'électrique, après peut-être qu'une fois je serai dedans, mais voilà. Mais plus avoir le bruit thermique, tout ça. Après en termes de puissance, donc que l'électrique ça marche super bien. Ça marche très fort. Mais voilà quoi. C'est surtout le bruit qui m'a manqué et tout. Donc. Mais bref. Donc étudier tout ça. D'ailleurs, hier j'ai contacté celui qui rachète nos véhicules, mais il m'a dit c'est trop tôt là, il me dit. Faut que tu me recontactes en début d'année. Donc faut que je le recontacte en début d'année, voir un peu ce qu'il peut faire. Le Q5, le X5, je suis obligé de le garder encore un petit peu. Sauf si le racheteur il rachète et puis voilà, ça solde le tout, mais j'ai bien peur que ce soit. Mais il y a même de la boule là ici, qu'est-ce qui se passe? Ah oui d'accord, c'est l'agriculteur. Bah bravo l'agriculteur. Je vous montre, voilà, il y a la GoPro. Voilà, ça, par contre pour moi c'est un mauvais agriculteur ça. Je sais plus comment on dit ça, mais il enlève pas sa merde des pneus. Et même lui il glisse. Oh, en fait les bagnoles ils glissent. Non, mais... Là il pourrait prendre une prune là, que là c'est vraiment abusé. Hein. Oh. Ah oui d'accord, je comprends. Ah oui, c'est qu'ils font l'ensilage. Et puis quand ils font lancer la pile, les terrains sont assez humides. Voilà, c'est limite quoi, c'est dangereux. Hein. Que les voitures de l'autre côté, elles glissent quand même. On entend mes pneus qui se décrottent. Donc voilà, donc étudier tout ça. Voir si ça peut être bien, pas bien. Mais ouais, faut prévoir à l'avance quand même quoi. Après moi Paris je m'en fous, j'y vais pas, donc ça m'est égal, mais voilà, si un jour en 2025 il y a un client qui doit aller à Paris, bah ça peut être la merde. Mais bon, d'abord moi en premier, hein. Puis s'il faut que Fred aille le X5 pendant quelques mois ou quoi, bah, il aura le X5 en attendant. Puis voilà, bah, après, mon collaborateur. Donc voilà. On va voir ça tout à l'heure. Allez, je rentre chez moi, je pose un peu et puis.
Bon, on se revoit après. Bon, allez, c'est reparti. Bon, c'est pas spécialement du taxi, mais bon, ça concerne quand même le taxi. Pour étudier. Déjà là, j'ai compté vite fait. Hein. C'est vraiment la louche. Hein. Par rapport à mon collègue qui fait pour 600 euros d'électricité, il fait 10 000 km. Donc ça fait 0,6, enfin 6 centimes. 6 centimes au kilomètre. Là, j'ai calculé par rapport au gasoil. Voilà une moyenne, hein, parce que ça dépend de la conso, ça dépend du prix du gasoil. Il faut prendre tout ça en compte. Ben, je suis à peu près à 14 centimes, 15 centimes le kilomètre. Donc c'est du simple au double. Et à l'année, si je pars sur une électrique, avec ces calculs à la louche, je ferai une économie quand même de 10 000 euros d'énergie. Quoi. Donc gasoil. Donc voilà quoi. Donc déjà ça, c'est pas négligeable. Après oui, la voiture... elle sera toujours un peu plus chère qu'une thermique, ça c'est sûr. Mais voilà, déjà, un petit point de départ de base, de calcul, il y a ça. Attention, on est encore tombé sur un point. Alors le mec, il avance pas et il est au milieu de la route. J'ai dit qu'il est devant moi, il voudra le doubler, mais il peut pas, puisque le mec, il roule au milieu à 10. C'est une blague. Ça. Là, parlons de ça après. Ouais, donc la base de calcul, déjà pour commencer, en termes de consommation. Alors après, il y a la détaille de carburant qu'on récupère. Mais bon, alors j'ai vu, mais moi, tant qu'on me le dit pas directement, ou si je ne le lis pas dans les journaux ou tout ce que vous voulez, mais là, ça reste que des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, faut toujours se méfier. C'est souvent des conneries. Apparemment, il se ferait enlever la détaxe de carburant, donc le TCIPU, je sais pas quoi là. Il voudrait la supprimer. D'accord. Mais bon, on dit qu'on l'a toujours. Bah sur les 10 000 euros de gagner. Bah oui, il y a moins de 2000. Donc moi je ne cache pas la détaille du carburant. Là, j'ai récupéré à peu près 4000 euros de détaxe du carburant. Donc ça c'est les choses que j'aurais pu. Donc sur les 10 000 euros que je vais économiser par rapport à l'électricité et le gasoil, pour tirer 2000 euros pour une voiture. D'accord. Donc j'économise encore 8000 euros. Donc voilà. Donc c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut prendre en compte, mais bon, je vais voir déjà là comment ça se passe. Que c'est pareil, la config de la voiture, bah, y a pas beaucoup de choix en fait. Je me rappelle avant, sur le site de Peugeot, vous pouvez choisir un peu le style des jantes, le style des enceintes. Je sais pas, il y avait plein de trucs qu'on pouvait choisir et là, ça reste très bien configuré de base, mais. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choix en option, il n'y a plus rien en fait. Plus de choix des gens, plus de choix des types d'enceintes. En termes de couleurs, bon, voilà, sans plus. La sellerie. Là, c'est soit tissu basique, soit de l'alcantara, mais il n'y a plus de cuir. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont été retirées. Est-ce que c'est parce que la voiture n'est pas encore sortie que voilà, j'en sais rien. Je sais pas. Ça à voir pour ça déjà. Alors je sais qu'il y en a une en expo à Saint-Lucia quand je suis allé déposer des papiers la semaine dernière. Je suis privé bah, pour la voiture de madame. Il y avait un 5008 en expo, mais j'ai pas osé trop ouvrir les portières ni ouvrir le coffre. Là par exemple, à mon petit garagiste, il y aura un 3008, le nouveau 3008 hybride, non en électrique, pardon.
Bah, j'ai voulu ouvrir le coffre, hein. J'ai demandé si on pouvait ouvrir le coffre. Bah, elle m'a dit non, enfin, la femme du garage, elle a dit non, on ne peut pas ouvrir. Comme c'est un rayon électrique, donc il y a tout un système de sécurité qui est du fait qu'elle ne soit pas vendue. Enfin, voilà, il y a tout un système derrière. Enfin, voilà quoi. Bref. Donc, je vais regarder ça tranquille, peinard. Le délai de livraison, si jamais je commande octobre-novembre, ça n'arrivera pas avant avril-mai. Voilà, plus ou moins. Donc, apparemment, il peut y avoir des surprises. Ça peut arriver avant, comme ça peut arriver après. Donc voilà. Donc, ça arrivera au bon terme par rapport au Q5. Après, il restera le X5, mais j'ai une autre idée en tête. Après c'est pareil, si jamais je prends une voiture électrique pour le collaborateur, après c'est des histoires de charge. Que charger chez moi encore, bon moi, je m'en fous, après moi je m'arrange entre vie perso et ma société. Vie perso je fais une facture à la société, enfin je sais pas comment je vais faire. Ça je verrai ça à ce moment-là avec les comptables. Mais quand c'est un salarié qui recharge la voiture chez lui, bah, ça aura quand même un coût sur son électricité, donc après voilà, je sais pas comment ça peut se passer. S'il y a des collègues ou quoi qui se font dans le même cas et puis qui ont un salarié et qui roulent en voiture électrique par exemple, on ne sait jamais, mais qui me disent comment, quoi, pour, qui, quand, comment, ben voilà quoi. Sinon bah, je mettrai une borne à l'extérieur de chez moi et puis la voiture rentrera chez moi tous les jours. Ça c'est une forte possibilité ça. Mais bon, j'ai déjà une borne dans le garage. Je vais pas remettre une borne à l'extérieur de la maison, ça va être dégueulasse. Si voilà ce que je peux faire, ouais, c'est. Comme j'ai un bassin et tout, là, petit compteur électrique. Ça peut être jouable comme ça. À étudier d'ailleurs. Donc voilà quoi. La petite roue ici qui va bien. Ouais, donc voilà quoi. Oui, donc là je disais, moi, habitué, puis j'arrive bientôt au garage. Là entre Vierzon et Bourges, bah, les gens ils roulaient au milieu. Bah, je me faisais plus ou moins doubler sur ma gauche. Moi j'étais au milieu, il y avait quelqu'un à ma droite, puis devant il y avait 2-3 voitures qui restaient au milieu. Donc il n'y avait personne sur leur première file. Bah, j'ai fait les appels de phare sur 3 voitures de âge moyen quoi. Ok, ils ont mis un temps, ils se sont rabattus, mais il n'y en a qu'un qui gueulait comme un gros putois, un vieux, 70 balais là. Et puis limite il n'était pas assis comme ça, mais assis sur le côté pour m'engueuler quoi. Mais si déjà regarde ta route déjà là. Voilà, un vieux. Il a tout le temps, mais il a encore raison. Ça roule au milieu, mais il a encore raison. Bref. Sur ces belles paroles. J'arrive au garage. Ouais, je vous dis. Enfin, sur le principe de la soirée aussi. Ouais. Même heure. Si j'y comprends, on cherche juste pour le temps. Ben voilà. Rendez-vous c'est fait. Bon, ça va pas durer spécialement longtemps. Bon, j'ai pas de chiffrage pour l'instant, mais c'était pour voir un peu ce qu'il y avait, les options électriques, hybrides. Bon, ça fait plus de 20 ans que je prends les voitures chez lui. Hein. Bon, un peu moins ces derniers temps par rapport au taxi, parce que voilà, je trouvais pas ce que je voulais, mais en perso,
Ouais, bah attends, on comprend les voitures chez lui. Il me connaît par cœur. Il sait ce que je veux à peu près à chaque fois. Il me dit, bon, bah, j'étais, hein. Bah, oui. Bon, bah, ça, tu prends, je suis beau. Bah, oui. Bon, bah, ça, tu prends. Bah, oui. Moi, je te coche tout, quoi, en fait. Bah, oui. Donc, voilà. Après, il y a une chose qu'il a voulu essayer de me conseiller. De prendre une voiture hybride. Toi, t'as un problème avec les clignotants. Ta voiture clignote gauche et ta remorque clignote droite. Il y a un petit problème dans les branchements. Je dis ça, je dis rien. Oui, il a voulu m'orienter un peu sur le hybride. 136 chevaux. Donc, c'est hybride essence. Non rechargeable. Enfin, ça veut dire que c'est la voiture. C'est seule la voiture qui recharge les batteries. Sauf que, bah, moi, déjà, 136 chevaux, c'est mort. Là, c'est mort. 136 chevaux, c'est mal bien. J'estime que nous, en faisant beaucoup de route, quand on a 150 chevaux, voilà, c'est pas énorme, mais c'est pas trop, comment dire, c'est bien, mais c'est, des fois c'est pas forcément assez dans certaines situations. Donc voilà. Puis bah hybride, bah, c'est essence. Donc voilà, moi essence. 2 euros le litre, non merci. Donc là, on s'est penché sur le, bah, plus sur le électrique 230 chevaux, enfin 230 chevaux, 230, je sais pas quoi, avec une batterie de, je sais plus combien, 137 kW, je sais pas quoi, un truc comme ça, ou 97 kW. Donc voilà, donc il va me chiffrer tout ça, parce qu'il faut qu'il voit ça avec le siège social, tout ça. Ça, un chiffrage pour un 3008, pareil électrique, pour le collaborateur. Donc voilà quoi. Et après, l'idée que je lui dis, c'est de revendre le Q5 et le X5 à voir. Garder ou pas, et il me dit oui, c'était une très bonne idée. Donc voilà. En sachant que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait une grosse économie. Pardon, une grosse économie sur le terme de gasoil. Si en plus je prends deux voitures électriques et que je revends le Q5, même si j'ai encore celle-là à payer, même si j'ai des frais de rachat des voitures électriques, bah voilà, financièrement parlant, je vais m'y retrouver. Après, c'est comptablement parlant, voilà, à la banque, voilà, ça c'est un autre sujet. Voilà, les gars. En termes de sécurité, c'est zéro, les gars. La DDE. Zéro pointé, la sécurité. Donc voilà quoi. Mais bon, voilà, c'est juste un projet. Il va chiffrer, me dire le délai. Donc si ça se fait là, si je signe par exemple au mois de novembre ou décembre, si je signe là, ce sera courant mars-avril. Mais je lui dis, hop, j'ai le temps. Moi, le Q5, je peux le vendre au mois de juin. Donc. Pas pressé, puis j'ai envie de dire qu'avoir une voiture neuve à l'hiver, hein, je suis fait avoir avec le Q5 déjà. Non, c'est le Q5 ou c'est celle-là que j'ai acheté et puis c'est tombé en hiver. Bah voilà quoi, la voiture elle est vite salissante. Voilà quoi. Il y avait le son successeur qui, comme j'ai dit, on partait à la retraite début de l'année, que lui était là, ça nous a permis de faire connaissance en même temps, un peu plus. J'ai bien vu que je suis le client. Bon, mon garagiste, ça fait 20 ans que je le connais, il me tutoie. Moi, ça me dérange pas, ça m'a jamais dérangé d'ailleurs. C'était aussi le garagiste là où je travaillais avant, donc voilà, ça fait des années qu'on se connaît. Moi, par contre, je l'ai toujours vouvoyé, voilà, plus âgé que moi, je respecte les personnes plus âgées. Il m'a jamais dit tu peux me tutoyer, alors je sais que si je l'aurais tutoyé direct, ça ne l'aurait pas dérangé, mais voilà, j'ai pris l'habitude de l'avoir vous voyez, et je vous verrai toujours. Enfin bref. Et là, le nouveau, aujourd'hui, il m'a tutoyé. Et par contre, je l'ai vous voyez. Tant qu'on me dit pas, tu peux me dire, je ne tutoie pas comme ça. Alors, c'est un côté, je trouve que c'est un manque de respect. Après, à vie perso, pour moi, ça me dérange pas. Je m'en tape royalement qu'on me tutoie direct. Je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Mais voilà, quoi.
Après, bon, c'est comme ça. Donc voilà. Mais ouais, ce que je voudrais bien, que quand je vais signer pour les voitures, ce soit mon garagiste actuel qui aura, voilà. Je vais pas dire le bénéfice, mais voilà. Je sais pas comment on peut dire ça, mais. Que ça ne soit pas son successeur à la livraison. Pardon, merci. Tiens, merci. Ouais, c'est pas son successeur qui, voilà, qui touchera quelque chose ou pas. Je signe avec DJ, en l'occurrence, qui s'appelle. Bon, c'est juste, donc, normal que ce soit lui qui touche. Voilà quoi. Après, je sais pas comment ça va se passer derrière, mais bref, ça ne me regarde pas. C'est leur problème. Donc voilà, pour finir la journée et la semaine. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end. Un bon dimanche. Prenez soin de vous. Soyez prudents sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.